Merci. Bah. Merci beaucoup. Ça me va très bien aussi. Merci Madame la Présidente, merci à tous d'être là aujourd'hui pour que je vous présente mes travaux de thèse que j'ai effectués à l'Institut Jean Leron d'Alembert sous la direction de Suzy Protière et en collaboration avec Christophe Josserand et que j'ai intitulé « Naissance, vie et mort d'un radeau granulaire ». Et avant de vous présenter vraiment ce qu'est un radeau granulaire, je vais un peu vous parler du contexte général des forces capillaires, de ce qu'on appelle un peu communément l'effet de Chirios. Et quoi de mieux pour parler d'effet de Chirios que de regarder des céréales dans le lait le matin. Donc là, vous avez des Chirios. Et ce qu'on remarque très vite quand on verse des Chirios dans un bol de lait, c'est qu'on a deux catégories de Chirios qui apparaissent. Un îlot central où les Chirios s'attirent entre eux et une interaction avec les bords du récipient et donc la formation aussi d'îlots un peu sur le bord du récipient. Plus on en rajoute, plus on grossit ces îlots. Donc ce qui est assez clair dans cette vidéo, c'est qu'on a des forces d'interaction et des forces attractives entre Chirios. Ça, c'est ce qu'on va étudier. Là, on est à l'interface lait R. Nous, on va se mettre à l'interface huileau, mais fondamentalement, c'est le même phénomène. Les forces capillaires, c'est des forces qui sont vraiment très courantes dans la vie de tous les jours. Alors, peut-être la plus courante, si vous êtes allé à la plage cet été et que vous avez soit des enfants, soit gardé votre âme d'enfant, vous avez peut-être construit des châteaux de sable. Et bien, tout simplement, les châteaux de sable, on peut les former sous l'interaction de forces capillaires qu'on dit normales, qui sont dues à des ponts capillaires entre particules, qui viennent créer des forces attractives et qui permettent comme ça de former des structures. Nous, on ne va pas s'intéresser à ce genre de forces, on va s'intéresser à des forces capillaires latérales. Alors là encore, on a plusieurs types de forces latérales, mais fondamentalement, toutes les forces latérales sont dues à une perturbation du ménisque, à un déplacement du ménisque, en posant un objet à une interface. Alors ça peut être dû à des particules comme ça qui sont confinées dans un film liquide, des particules posées sur une surface à nouveau confinées dans un film liquide, ou des particules qui se flottent à la surface d'un liquide, et par des effets de mouillage, donc ça peut être des hétérogénéités chimiques ou des effets de rugosité, on a une ondulation de la ligne de contact, et donc vous avez création de force pour se convaincre qu'en jouant comme ça avec les ménisques, on peut générer des forces. L'idéal, c'est de regarder vers un exemple qui est tiré de la nature et vers cette petite larve de coléoptère que vous voyez ici, qui flotte à la surface de l'eau. Et ce qu'on voit, c'est qu'en courbant son corps, elle va pouvoir venir interagir avec le ménisque préexistant et se propulser à la surface du liquide. Donc là, c'est vraiment pour vous convaincre qu'en déformant une interface, en déformant un ménisque, on peut générer des forces. Ici, je vous ai parlé de forces de déformation qui étaient plutôt générées par des effets de mouillage. Nous, on va plutôt s'intéresser à des déformations dues au poids. C'est-à-dire la particule va venir appuyer tout simplement sur l'interface. Alors ça peut être des particules plus légères que le liquide, comme des bulles d'air, qui vont déformer l'interface vers le haut et qui vont s'attirer. Ça, on le voit de manière assez régulière. Dès que vous buvez une boisson gazeuse, les bulles s'associent entre elles. Ça peut aussi être des billes lourdes qui vont déformer l'interface vers le bas. C'est exactement ce qu'on va faire. Et si vous regardez une bille qui interagit avec une bulle plus légère que l'eau, dans ce cas-là, vous avez des effets répulsifs. Alors, on peut comme ça faire flotter des objets qui, un peu contre-intuitivement. Donc là, typiquement, on a des pièces de 1 yen qui sont faites en aluminium. L'aluminium, on sait tous que c'est plus dense que l'eau, donc assez intuitivement, on penserait qu'on ne peut pas faire flotter. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sous l'effet de la tension de surface, on a un double effet. D'abord, individuellement, chaque pièce flotte à l'interface, parce que la tension de surface permet de les maintenir à l'interface. Et ensuite, quand vous mettez plusieurs objets en présence, ils interagissent et ils s'associent pour former cet agrégat. Donc on a vraiment ce double effet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter encore quelques exemples pour mieux comprendre où est-ce qu'on retrouve ce genre de force. Et donc typiquement, un exemple assez joli, je vais vous faire voyager maintenant en Asie du Sud-Est, et on va s'intéresser à un petit poisson que vous voyez ici à l'écran, qui est le poisson combattant du Siam. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce poisson, il vient à la surface, aspirer de l'air, qu'il recrache ensuite sous l'eau. Alors ensuite, il enrobe ces bulles d'air d'une certaine substance pour leur donner une stabilité. Et ce qu'on voit, c'est que ces bulles remontent à la surface et forment un radeau de bulles. Donc lui, vraiment, ce que le poisson y fait, c'est simplement former des bulles d'air. Et ensuite, c'est sous l'action des forces capillaires que ces bulles d'air s'associent spontanément pour former un radeau. Nous, c'est à peu près le même genre d'objet qu'on va faire tout à l'heure avec des billes. Alors vous pouvez peut-être me demander pourquoi est-ce que ce poisson il forme des radeaux de bulles. C'est tout simplement à des fins reproductives. Donc là, le nouveau protagoniste que vous venez de voir, c'est une femelle. Et là, on va assister bientôt à leur accouplement. Et donc en fait, pourquoi est-ce que ils font leur radeau de bulles? Parce qu'ils vivent dans des eaux qui sont très pauvres en oxygène. Et donc les œufs ne pourraient pas se développer sans une source en oxygène. Et donc là, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est ces poissons. Là, vous allez, bon, la luminosité n'est pas terrible, mais vous allez voir bientôt des petits points blancs donc, qui vont être des œufs.
on les voit là en bas dans la queue du poisson, ils vont venir récupérer ces œufs et les poser contre le radeau de bulles. Et comme ça, les œufs vont avoir accès à un réservoir en oxygène qui va leur permettre de se développer jusqu'à éclosion. Les larves ensuite vont rester accrochées à ce radeau encore pendant quelques jours, jusqu'à ce que le petit poisson soit suffisamment grand pour voguer de ses propres ailes. Donc là, vous voyez, le poisson est en train de récupérer les œufs et va venir les redisposer dans le radeau. Et donc là, c'est vraiment fondamental pour ces poissons que les bulles soient associées en radeau de bulles. Sinon, ils ne pourraient pas tout simplement venir les coller sur des bulles isolées qui seraient trop sujettes au mouvement, etc. Donc là, c'est vraiment essentiel pour ce radeau et pour ce poisson et pour sa survie. Alors, en général, les gens aiment bien, c'est bien joli les poissons, mais les gens aiment bien demander à quoi ça sert, à quoi ça sert. Donc, si on est plus prosaïque, d'un point de vue beaucoup plus industriel, assembler des particules, ça peut permettre de créer des structures complexes. Et surtout, ce qui est fondamental, ce que vous avez vu dans les différents exemples, c'est qu'on n'a pas besoin de venir injecter de l'énergie pour que l'agrégation se fasse. L'agrégation, elle est spontanée une fois qu'on a mis les objets à l'interface. Et donc, typiquement, en contrôlant la géométrie des objets, là, par exemple, vous avez des objets avec des géométries assez particulières. Ce qu'on voit, c'est qu'ils s'associent ici à des tailles centimétriques, mais on peut aussi plutôt à des tailles micrométriques. Là, les petites barres noires, les petites barres d'échelle, elles font 10 micromètres. On peut créer des structures complexes comme ça, où on contrôle très bien la microstructure, et ensuite on peut empiler les couches, c'est ce que vous voyez sur la partie droite, on empile des couches très bien contrôlées, et donc ça peut avoir des intérêts pour des propriétés optiques ou des propriétés thermiques. J'en ai fini un peu avec ce catalogue d'exemples sur les forces capillaires. Et donc, on va un peu plus rentrer dans la physique du sujet. Et dans un des paramètres fondamentaux, on se situe à une interface. Et donc, vraiment, le paramètre clé, ça va être la longueur capillaire, qui est une longueur qui vient comparer les effets de tension de surface aux effets gravitaires. Alors, la longueur capillaire dont on a l'habitude habituellement, c'est à l'interface OR. Elle est de l'ordre de 3 mm. Et c'est ça, en gros, c'est un des facteurs qui vient contrôler la taille, par exemple, des gouttes de pluie. Vous ne trouverez jamais une goutte qui fait 30 cm. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure brièvement, on va se situer à l'interface eau-huile. Et donc là, parce qu'on a de la poussée d'Archimède en plus, on va augmenter cette longueur capillaire jusqu'à, en gros, le centimètre. Donc ça va nous permettre de former des objets qui sont beaucoup plus gros. Alors, on a déjà pas mal de travaux qui ont été faits à l'interface eau-huile sur les interfaces avec des particules. Je vais en citer un, donc, qui est le travail de Étienne Jean-Montpuyet, qui était en thèse avant moi. Et Étienne s'est intéressé à la mécanique d'une interface recouverte par des particules. Donc là, vous avez une vue de dessous de cette interface. Le blanc, c'est des billes qui forment comme une membrane granulaire. Et lui, ce à quoi il s'est intéressé, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient compresser cette membrane. Et donc, on voit l'apparition de rides qui vont ensuite se focaliser en une ride principale. Nous, on va un peu se situer en amont de ce problème-là et on va s'intéresser plutôt à la formation d'une telle surface, à l'agrégation de particules. Alors donc pour ça, je vais vous montrer des petits schémas et je vais tenter aussi de vous faire une manip en direct d'agrégation. Donc la manip, elle est assez simple. On se place dans un aquarium avec de l'eau et une couche d'huile par-dessus et on va simplement venir saupoudrer des particules. Donc quand on saupoudre des particules, nos billes, elles traversent la couche d'huile, elles se mettent à l'interface et ensuite chaque bille va déformer individuellement cette interface. C'est ce qui va créer l'interaction et donc nos billes vont s'associer pour former un radeau granulaire. C'est ce que vous voyez ici. Alors ensuite, nous, dans la gamme de paramètres qu'on étudie, le radeau granulaire ne va pas pouvoir recouvrir toute l'interface, il va se déstabiliser bien avant. Et donc, vous allez avoir comme ça la déstabilisation du radeau granulaire qui va venir tirer sur un filament d'huile et qui va finalement couler. Donc, je vais vous faire la démonstration. Donc là, vous voyez, je suis focalisé sur l'interface de notre liquide. Vous avez déjà une particule qui est ici, là, c'est le petit point noir. Et donc, je vais tout simplement venir saupoudrer des particules et vous allez les voir interagir. Donc là, on voit que très vite, elle s'associe, elle forme un radeau, et là, le radeau a coulé parce qu'il a dépassé la taille critique. Donc je peux vous le refaire si vous voulez. On a nos billes comme ça qui, bon là, c'est un peu perturbé par le radeau qui a déjà coulé au fond. Et donc là, ça, une expérience très simple comme ça, ça permet d'extrêmement bien visualiser l'agrégation. Alors là, j'ai utilisé des billes assez grosses, donc le processus est assez rapide, mais évidemment, ça va venir dépendre des paramètres. Et ensuite, bah, pour la déstabilisation, il faudrait une vue de profil, mais je vous montrerai des films tout à l'heure. Donc si on résume l'expérience, on a nos billes qui traversent l'interface, hop, qui déforment chacun de l'interface, qui forment un radeau granulaire, qui ensuite se déstabilise, tire sur un filament et tombe au fond du récipient. Là, je vous ai à peu près résumé ma thèse, c'est toutes les étapes auxquelles on s'est intéressé pendant ma thèse.
Comme c'est une thèse expérimentale, je vais quand même prendre le temps de décrire un peu les paramètres. Donc, le paramètre le plus évident, sans doute, c'est les particules. On peut jouer avec leur taille, jouer avec leur densité. Et évidemment, quand on va venir jouer avec leur densité, c'est en changeant le matériau. Donc, on a utilisé des billes plastiques, des billes d'acier, de verre, de céramique. Donc, ça va aussi modifier les angles de contact. Sachant que nous, on est plutôt dans des grosses tailles où l'effet prédominant, c'est vraiment la pesanteur. Donc, l'angle de contact va vraiment avoir un effet assez négligeable. Ensuite, on peut aussi jouer avec l'huile, notamment sa viscosité pour contrôler la dynamique d'agrégation. Et enfin, j'ai déjà insisté dessus, mais vraiment, le paramètre clé, c'est constituer une interface, donc la longueur capillaire et la tension de surface, qui est plus faible qu'à l'interface OR. Elle est de l'ordre de 40 mN. Après, ça dépend un peu des huiles. Donc maintenant, je vais vous résumer les quatre grandes parties que j'ai étudiées pendant cette thèse. Donc dans un premier temps, c'est peut-être la partie la plus évidente. On s'est intéressé à l'interaction entre deux radeaux granulaires. Donc là, vous avez une vue de dessus ici et une vue de profil. Ça va être la même agrégation, le même film. La vue de profil, elle nous permet vraiment bien de visualiser l'interface ici. En dessous, vous avez l'eau. Au-dessus, vous avez l'huile. Donc ce qu'on voit déjà, avant même que je joue le film, c'est qu'on a vraiment des grosses déformations, quasiment de l'ordre du centimètre. Ça, c'est vraiment dû aux effets d'Archimède qui augmentent la longueur capillaire. Et donc, si on joue le film à vitesse réelle, c'est exactement les mêmes particules que ce que j'ai fait pendant la démonstration. On a nos deux radeaux granulaires qui s'approchent et qui forment un plus gros radeau. Et donc ça, c'est un des points qu'on a essayé de décrire dans cette thèse, c'est la dynamique de cette interaction. Ensuite, une fois qu'on a compris à peu près comment ça marche pour deux radeaux granulaires, on peut se demander quel est le processus d'agrégation lorsqu'on place un très grand nombre de particules à interface. Donc là, vous avez une vue de dessus. Chaque point noir, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est une particule. Et on va tout simplement filmer leur agrégation avec des particules ici qui sont beaucoup plus petites. Donc là, le film est accéléré 900 fois. En réalité, il dure 2h30. Mais donc ce qu'on voit, comme on peut s'y attendre, c'est que les grains interagissent entre eux, forment des radeaux de plus en plus gros. À nouveau, chaque cluster va interagir avec son voisin et on forme comme ça à la fin un radeau granulaire. Et donc on s'est un peu intéressé à la statistique d'agrégation d'un tel phénomène et ce qu'on peut la décrire, notamment en se basant sur ce qu'on sait de l'interaction entre deux radeaux granulaires. Ensuite, on a fait une partie un peu différente. Au lieu de s'intéresser à l'agrégation entre des radeaux granulaires, on s'est posé la question de si on considère un radeau granulaire déjà formé, quelle va être sa cohésion, quelles vont être les conditions pour qu'il puisse subir de l'érosion? Alors, la manip, c'est la suivante. On forme un radeau granulaire et ensuite, on va venir déformer l'interface avec un cylindre. Donc, on tire tout simplement sur l'interface. Le radeau va être attiré, va se mouvoir le long de cette déformation. Et nous, on se demande à quelle profondeur, quelle taille de radeau, etc. On peut observer de l'érosion. Donc, si vous regardez un film, par exemple, on a vu de dessus notre radeau qui bouge, qui accélère au cours de son mouvement jusqu'à perdre des particules derrière lui. Donc là, on voit que c'est un type d'érosion. On peut qualifier ça d'érosion. Et donc, on s'est demandé quels étaient les facteurs et est-ce qu'on peut caractériser un peu la cohésion d'un radeau granulaire en fonction des particules, en fonction de la taille du radeau, etc. Et ensuite, la dernière grande partie, c'est un peu ce que vous n'avez pas vu finalement avec cette expérience puisqu'elle était en vue de dessus. C'est une fois que le radeau se déstabilise, on s'est intéressé à la dynamique de naufrage du radeau. Donc là, si je décris un peu ce film, vous avez de l'eau tout autour, vous avez le filament d'huile qui rejoint la couche d'huile supérieure, et ici, vous avez le radeau en train de couler. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est un cocon de particules, c'est une monocouche de particules qui vient entourer la goutte d'huile, et donc qui va couler au fond. Et on voit qu'elle vient tirer sur un filament comme ça, le filament qui va finalement se pincer à la fin. Et ce qu'on retrouve, il va y avoir un deuxième pincement proche de la goutte. Et à la fin, on obtient une goutte encapsulée dans des particules qui tombent au fond de notre récipient et qui va y rester stable ensuite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc nous, on s'est vraiment intéressé à la dynamique d'amincissement et la dynamique de pincement de ce filament, ce qui s'inscrit en fait dans la littérature assez large de la formation des gouttes. Donc voilà pour les quatre parties de ma thèse. Maintenant, je ne vais pas vous présenter l'intégralité aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux parties. L'agrégation de particules à une interface, d'un grand nombre de particules à une interface, et dans un second temps, la déstabilisation d'un radeau granulaire. Et quoi de mieux pour commencer à regarder l'agrégation que de re-regarder à nouveau le film. Donc toujours, je le rappelle, c'est un film qui en temps réel dure 2h30. On a nos particules qui s'agrègent, qui forment des petits clusters, qui ensuite, et plus le cluster est gros, c'est pas évident là à la vidéo, mais plus il va attirer fortement les particules qui l'entourent. Et donc ça, c'est exactement le film qu'on aimerait comprendre. C'est-à-dire, on veut pouvoir décrire à un instant donné quelle est la statistique de taille des radeaux. On veut pouvoir tout décrire, ça serait l'idéal. Donc, sachant que là, c'est ce qu'on peut intuiter assez facilement, c'est que pour une expérience donnée, l'agrégation va dépendre de la répartition initiale des particules qu'on leur a données. Or, nous, on veut s'abstraire de ces conditions initiales et on veut vraiment des résultats globaux sur
bah, quand j'utilise tel nombre de particules réparties dans tel domaine, ça donne telle agrégation. Et donc pour ça, en fait, c'est très simple. On va venir reproduire plusieurs fois l'expérience avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire même nombre de particules, même taille de domaine, mais simplement une répartition initiale aléatoire différente. Et ensuite, l'idée, ça va être de venir moyenner nos résultats pour avoir des grandeurs un peu statistiques. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, une expérience, ça peut durer jusqu'à 2h30, donc je ne vais pas non plus moyenner des milliers de manips. Pour chaque jeu de paramètres, j'ai fait 5 expériences, et ensuite, je suis venu moyenner ces expériences. Et quelle est la grandeur clé à laquelle on va s'intéresser ? La grandeur clé, c'est la distribution de taille. Alors, je vais prendre un peu de temps ici pour décrire ce graphique. Vous avez en abscisse la taille d'un radeau petit n, et en ordonnée, le nombre de radeaux de taille correspondante. Donc là, vous avez le graphe que ça donne à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t égale 0, assez naturellement, si on prend n égale 1, on a principalement des particules isolées. Et ensuite, comme je les saupoudre un peu au hasard, on a aussi des particules qui tombent côte à côte. Donc on a quelques paires, quelques triplés. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on a principalement des particules isolées à l'instant initial. Et ensuite, je vais vous jouer le film de ce graphe. Donc tout à l'heure, on a vu le film de la manip. Là, on va voir la distribution évoluer au cours du temps. Et donc, ce qu'on voit quand on fait de la sorte, on a bien le nombre de particules isolées qui diminue avec le temps, c'est assez normal, et on a de plus en plus de gros radeaux, donc c'est-à-dire la distribution se décale vers la droite. Et donc, on passe vraiment d'une distribution qui était piquée sur n égale 1 à une distribution de plus en plus large avec une prédominance des radeaux de grosse taille. Alors, on peut essayer on peut prendre 4 temps au cours de notre agrégation qui sont représentés ici avec 4 couleurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien nos 4 courbes. On retrouve bien la décroissance du nombre de particules de taille 1, de radeaux de taille 1, pardon. Après, pour le reste du graphe, c'est un peu confus. Et surtout, en fait, cette figure, elle va nous permettre de voir un peu les limitations de notre expérience. Alors, pourquoi des limitations ? Alors, il y a deux limitations. La première, c'est qu'on fait des expériences avec un nombre fini de particules dans un domaine de taille finie, alors que si on voulait vraiment tirer des résultats statistiques, ce qu'on aimerait, c'est faire sur un domaine infini un nombre de particules infinies qui seraient dans ce cas-là uniquement décrites par la densité surfacique initiale. Et là, on pourrait vraiment décrire l'agrégation. Là, on sait bien qu'à la fin de notre agrégation, on aura un seul radeau. C'est une distribution qui n'est pas très intéressante à décrire. Donc là, on a déjà une première limitation. La deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que on moyenne nos résultats, mais simplement sur 5 expériences. Et donc, en fait, ça va complètement venir biaiser nos résultats. Ça va complètement, en fait, biaiser les probabilités qu'on détecte. Donc, je prends un exemple. Si jamais on avait un radeau qui était très peu probable, sa probabilité d'existence était très faible, bah, soit on ne va pas le détecter, donc nous, on va mesurer 0, alors qu'en fait, elle est faible, mais pas égale à 0. Soit on va le détecter, mais sur nos 5 expériences, donc on va détecter 1 cinquième comme probabilité, alors qu'en fait, elle aurait pu être de 1 centième. On ne l'aurait détecté qu'une fois si on avait fait 100 fois l'expérience. Donc, on a vraiment... En fait, on a une borne inférieure de nos distributions que j'ai représentée ici par des pointillés. Et globalement, tous les points qui sont situés sur cette ligne, ils n'ont aucun sens physique. Ils sont simplement dus au faible nombre d'expériences qu'on a effectuées. Donc ça, c'est... Et donc, en fait, on a simplement une distribution tronquée. On a du mal à décrire... il nous manque tout un régime de notre distribution. Et donc, pour s'abstraire de ce problème, ce qu'on aimerait faire, c'est un grand nombre d'expériences. On l'a vu... En réalité, c'est pas faisable, mais par contre, ce qui est faisable, c'est de faire des simulations numériques en très grand nombre et ensuite de venir moyenner nos résultats. Alors, pour faire des simulations numériques en très grand nombre, il faut déjà pouvoir en faire une, donc il faut déjà pouvoir modéliser l'interaction entre des radeaux granulaires. Donc, heureusement, c'est d'ailleurs la première partie que je vous ai présentée très brièvement en introduction. On a fait tout un travail sur la description de l'interaction capillaire entre deux radeaux. Je vais ici vous résumer, mais vraiment très très vite, les résultats principaux. Ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais on pourra en rediscuter pendant les questions, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, on se base de manière très importante sur le travail qui a été fait sur l'agrégation entre deux particules identiques. Donc là, vous avez deux billes en vue de dessus. Si on laisse le film jouer, on a nos deux billes qui s'attirent. Donc là, aucune surprise, on l'a déjà vu 50 fois dans la présentation. Et si on vient mesurer maintenant la vitesse d'une de ces deux billes en fonction de la longueur entre leurs deux centres, vous avez le graphe ici, donc ici de droite à gauche, la longueur entre les deux billes diminue au fur et à mesure du temps, et vous avez une vitesse comme ça qui augmente jusqu'à atteindre un maximum. Et ce qui est très bien pour nous, donc là on se base sur, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on n'a plus aucun problème pour décrire ce genre de dynamique, au prix de quelques hypothèses, donc ici faible nombre de Reynolds, petites particules devant la longueur capillaire et petites déformations, on peut écrire un équilibre entre les forces capillaires et les forces de frottement qui agissent sur chaque particule. Et en fait, ça nous donne un modèle qui marche très très bien avec les données. Là, vous voyez la ligne noire qui est parfaitement sur les données expérimentales. Donc, on sait très bien, et ça depuis 20 ans, décrire la dynamique d'agrégation de deux particules identiques.
Nous, ce qu'on est venu faire en fait derrière, c'est simplement généraliser ce modèle à deux radeaux pas nécessairement identiques. Donc là, je vous remontre les deux films précédents. On a nos deux radeaux qui s'attirent et tout comme pour deux particules, on peut mesurer la vitesse de chacun des deux radeaux indépendamment. On a à peu près le même genre de graphique avec une, de droite à gauche une vitesse qui augmente jusqu'à un maximum et qui rediminue derrière. Et en fait, on peut venir ensuite fitter ces courbes. Et donc là, bon, je ne vais pas décrire le processus, mais le résultat auquel on a abouti, c'est une description de des forces d'interaction entre ces deux radeaux, une force capillaire qui évolue, qui est proportionnelle au nombre de particules dans chacun des radeaux et une force de frottement qui évolue comme la racine du nombre de particules. Bon, admettons ça pour l'instant, on pourra en rediscuter plus tard. Maintenant, si on se base sur ces données-là, ce qu'on peut faire, c'est simplement calculer... On a donc les forces entre deux radeaux, et donc si on a n radeaux, on peut simplement sommer les forces entre chacun des radeaux, sommer les vecteurs vitesse. Et donc, avec ça, on peut décrire une agrégation. Donc après, concrètement, comment ça se passe? C'est vraiment de la même manière que dans l'expérience. On part avec une répartition initiale aléatoire de particules. Ici, chaque point représente une particule. Et à chaque pas de temps, on va venir calculer le vecteur vitesse de chaque particule vers l'ensemble des autres particules. On va venir sommer. Et avec ça, on peut faire une agrégation. Donc c'est le film que vous allez voir ici. On a nos particules qui s'attirent les unes les autres pour former des radeaux de plus en plus gros. Et à la fin, on a bien un seul radeau. Donc bon, déjà qualitativement, on retrouve ce qu'on veut. Après, on ne peut pas simplement se baser sur du qualitatif pour se dire effectivement ça reproduit l'expérience. Donc bon, déjà on peut comparer pour des jeux de paramètres identiques une simulation à gauche, une manip à droite. Ce qu'on voit, c'est que au moins visuellement, ça a l'air de correspondre, et surtout sur les échelles de temps, là c'est un peu le but de ces deux films, c'est on avait les mêmes jeux de paramètres, et ce qu'on voit, c'est que l'agrégation, dans les deux cas, avait à peu près la même échelle de temps. On peut aussi sélectionner des photos à différents instants. Bon, là, on ne voit pas très bien les photos de l'expérience, mais bon, ça a l'air de ressembler. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire des descriptions quantitatives, c'est-à-dire regarder notre distribution de taille de radeau à différents instants, donc ici en rouge pour l'expérience et en noir pour la simulation. Et donc ce qu'on voit, c'est que les courbes sont parfaitement superposées, et ça c'est un résultat qui est quand même beaucoup plus fort que ce qui n'y paraît, parce que dans la simulation, on n'a pas de paramètres ajustables pour venir faire coller les expériences aux simulations. On fait notre simulation en utilisant les forces qu'on a décrites, dont on a déduit les valeurs expérimentalement. On calcule les forces, on fait l'agrégation sans aucun paramètre ajustable et on voit que les distributions collent parfaitement. Donc déjà, on a vraiment des simulations qui représentent la physique de notre agrégation. Le deuxième intérêt de ces figures, c'est surtout de voir en fait qu'on arrive maintenant à s'abstraire d'une des limitations dont je vous avais parlé, c'est-à-dire le faible nombre d'expériences qu'on faisait qui nous empêchait de moyenner et d'avoir des résultats statistiquement pertinents. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va faire 1000 simulations qu'on va venir moyenner au lieu d'en faire 5 expériences. Et donc, on décale de deux ordres de grandeur la borne inférieure de notre distribution. Et donc, on a accès à beaucoup plus de richesse dans les distributions. Maintenant, on va pouvoir essayer de décrire un peu leur évolution, à la fois leur évolution temporelle et leur évolution pour un temps fixé en fonction de petit n. Donc, ensuite, on peut faire un peu le même process que pour les expériences. Regarder le film des distributions, donc toujours en abscisse la taille d'un radeau petit n et en ordonnée le nombre de radeaux de taille correspondante. Et donc, si on joue le film, on part d'une distribution qui n'avait que des particules isolées à une distribution qui évolue avec de plus en plus de grands radeaux. Et ce qu'on visualise beaucoup mieux sur ce film que sur la manip, c'est l'existence d'une loi de puissance qui est quand même assez claire, dont on pourra reparler plus tard. Mais on voit vraiment que là, on a un régime assez caractéristique de notre statistique d'agrégation. Et ensuite, comme précédemment, on peut sélectionner ici 7 temps successifs dans notre agrégation et regarder à quoi ressemblent les courbes. Ça, c'est exactement ce qu'on aimerait comprendre. On voit en fait là très bien qu'on a grand N, c'est bien une fonction à deux variables. On a à la fois la dépendance en petit n et une dépendance temporelle. Et ça, c'est exactement ce qu'on aimerait comprendre dans notre problème. La deuxième chose qu'on peut déjà regarder, donc si vous vous concentrez par exemple sur la courbe jaune ou verte, c'est qu'on a l'air d'avoir deux régimes qui ressortent. Un premier régime à petit n, qui est un régime décroissant, mais disons à faible pente. Et à un certain n, on a une transition vers un régime à plus forte décroissance. L'autre point important, c'est qu'on voit que cette transition, elle est fonction du temps. Quand on évolue dans les couleurs, on a notre transition qui se décale. Bon, on va revenir dessus plus tard. Mais donc voilà ce qu'on aimerait comprendre, à la fois cette transition et les différents régimes qu'on voit. Toujours, on visualise la limitation, c'est-à-dire on fait 1000 simulations, mais en réalité, si on pouvait en faire 1 million, on en ferait 1 million pour avoir des statistiques encore plus pertinentes. Donc là, on voit toujours la limitation basse de notre distribution, la troncation, mais
qu'on a décalé de deux ordres de grandeur. Donc là, on va essayer de décrire un peu plus en détail ces distributions. Et donc, notamment, j'arrête pas de rabâcher depuis tout à l'heure que c'est des fonctions à deux variables, petit n et petit t. Or, je vous ai montré que des représentations en fonction de petit n. Mais une fonction à deux variables, on peut le représenter en fonction de chacune de ces deux variables. Donc, c'est ce qui est fait ici. Vous avez vraiment la même grandeur, mais qui est représentée à gauche en fonction de petit n, c'est ce dont on a déjà parlé, et à droite en fonction du temps. Alors là, je vais passer un peu de temps sur ces graphes pour les comprendre, et je vais, pour mieux les comprendre, je vais prendre quelques exemples. Donc d'abord, pour se chauffer, on va prendre l'exemple le plus simple, n égale 1, c'est-à-dire les particules isolées. On va regarder comment elles évoluent au cours du temps. Donc à t égale 0, vous avez un très grand nombre de particules isolées, et là, nos points ils vont se déplacer parallèlement sur les deux graphes pour un peu essayer de les lire et de les faire parler l'un en fonction de l'autre. Donc pour n égale 1, c'est vraiment très simple. Le nombre de particules diminue au cours du temps, plus on avance dans le temps, on en a de moins en moins. Ça, comme on n'a pas d'érosion, on n'a pas de particules qui s'échappent de radeaux déjà formés. Maintenant, un cas peut-être plus intéressant si on prend n égale 7, donc les radeaux de taille 7 qui contiennent 7 particules. Là, premier point intéressant, c'est qu'à l'instant initial, on n'en a pas, donc ils apparaissent à peu près 600 secondes. Et ensuite, ils vont avoir une dynamique qui est très différente, la statistique va être très différente. On va d'abord avoir une augmentation du nombre de radeaux de taille 7, jusqu'à atteindre un maximum à peu près ici, et ensuite, leur nombre va rediminuer au cours du temps. Donc là, on a déjà un comportement très différent. Dans un premier temps, les radeaux de taille 7 sont formés plus vite qu'ils ne disparaissent. Ensuite, ils atteignent un équilibre qui correspond au maxima ici, où leur formation et leur disparition s'effectuent au même taux. Et ensuite, ils disparaissent plus vite qu'ils n'apparaissent. Donc là, on sent déjà un peu un équilibre entre création et disparition des radeaux. Ensuite, on peut faire le même genre de raisonnement, mais cette fois à temps fixé. Donc là, sur ce que je viens de vous faire, on était à abscisse fixée à gauche et on suivait une courbe à droite. Là, on va faire le raisonnement un peu parallèle. On va prendre un temps, donc ici 5700 secondes. On va être à abscisse fixée pour le graphe de droite. Et ici, on va suivre une courbe de couleur. Donc ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, à gauche, on se situe sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le régime à faible décroissance. Et à droite, on diminue donc en abscisse tout simplement. On passe d'une courbe à l'autre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est sur la portion droite de chacune de ces courbes, donc sur la portion décroissante. On continue notre agrégation. Donc là, plus j'avance, plus je considère des radeaux de taille importante. Là, on se décale en abscisse à droite. Jusqu'à arriver à un moment où on est à peu près au point d'équilibre, au maximum des distributions à droite. Par la suite, on va basculer à gauche sur la partie croissante. Et ce qu'on voit, c'est que ça va correspondre au changement de pente à droite ici et à l'apparition du deuxième régime de plus forte décroissance. Donc là, c'est vraiment utile cette visualisation pour essayer de faire parler un graphe en fonction de l'autre et de comprendre vraiment ce que ça veut dire ces deux régimes différents. Alors bon, là, on a une meilleure compréhension, mais maintenant, quel est le saint graal pour les gens qui font de l'agrégation? En général, c'est de trouver une forme autosimilaire qui va permettre de, en une seule variable, qui va prendre en compte à la fois la dépendance temporelle et la dépendance en petit n, de décrire l'agrégation. Alors cette forme autosimilaire, on peut la postuler de la forme suivante. Donc ici, petit s qui est la fonction temporelle et la fonction psi que l'on cherche. Et on peut simplement chercher, est-ce qu'on peut trouver une fonction de cette forme-là? Alors, bon, des considérations mathématiques vraiment simples, mais que je ne vais pas décrire ici, déjà nous donnent que l'exposant taux, il vaut 2, et qu'un très bon candidat pour la dépendance temporelle, ça va être de considérer le moment d'ordre 2, P2, ici. Et donc ensuite, si on prend cette forme-là et qu'on représente nos données, ce qu'on voit, c'est que donc cette fois, des données où l'abscisse et l'ordonnée sont rescalées avec justement cette fonction P2, on voit que toutes les courbes se superposent parfaitement. Donc là, c'est premier point important. On a montré l'existence d'une forme autosimilaire. Là, ce que vous visualisez, en fait, c'est directement la fonction psi. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que cette forme autosimilaire, ce qu'elle a fait, c'est simplement, elle a mis en un point la transition entre les deux régimes. Et donc, on se retrouve à gauche avec le régime à faible décroissance, à droite avec la plus forte décroissance. Là, on visualise vraiment bien ces deux régimes. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la compréhension, soit de la transition, soit des régimes? Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, je vous ai noté qu'en fait, sur notre courbe de droite, ici, chaque courbe avait un maximum pour lequel la création et la disparition des radeaux s'effectuaient avec le même taux. On peut simplement relever les coordonnées de ces points-là et les représenter sur notre courbe-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que tous ces points se superposent au niveau de la transition. Donc là, quel est le message derrière? Le message, c'est qu'on a bien montré qu'on avait une fonction autosimilaire pour décrire la statistique d'agrégation de nos radeaux. Et
On n'a pas décrit chacun des régimes, ça je vous le concède. Par contre, on a un peu mieux décrit quelle était la transition entre les deux régimes. Cette transition, elle correspond au maxima temporel de chacune des courbes de distribution de taille. Donc elle correspond au moment où un radeau d'une taille donnée se forme et disparaît à la même vitesse. Alors, peut-être que là, vous ne voyez pas si ce résultat, c'est intéressant ou pas. Donc, je vais le replacer dans la littérature pour un peu mieux comprendre ce qu'on a fait. Et probablement, les deux systèmes qui ont été les plus étudiés, c'est la DLA et la RLA, donc Diffusion Limited Aggregation ou Reaction Limited Aggregation, qui sont des systèmes très différents où les particules sont agitées par un mouvement brownien, donc elles ont un mouvement aléatoire, et lorsqu'elles rentrent en contact, elles peuvent former un plus gros cluster. Et donc, simplement, ce qui va différencier DLA et RLA, c'est simplement la résistance à la formation d'un cluster de chacune des particules. Et donc, ce qu'on voit, donc, peut-être que vous pouvez simplement vous concentrer sur les encarts de chacune des figures. Ce sont un peu comme moi j'ai fait, c'est les fonctions autosimilaires qui décrivent la statistique d'agrégation. Ce qu'on voit, c'est qu'eux aussi, ils en obtiennent une qui est différente de la nôtre. Alors ici, ça pourrait ressembler à notre faible décroissance. Là, on retrouve une transition, mais c'est très différent. Et surtout, ce qui est différent, c'est que là, vous avez vraiment un système qui ne peut être décrit que statistiquement parce que les mouvements sont aléatoires. Alors que nous, on a des mouvements déterministes, vraiment des systèmes différents. Alors en fait, nos distributions, on les retrouve dans un cas un peu différent qui est une suspension bactérienne. Donc là, vous avez des vues de dessus de bactéries. Les gros morceaux que vous voyez là, c'est des agrégats de bactéries. Les bactéries, elles peuvent s'associer en agrégats, mais aussi s'échapper des agrégats. Donc là, on va avoir un équilibre dynamique. Et si on regarde la statistique de la distribution de taille de cet équilibre dynamique, on retrouve à peu près le même genre de courbe. Si vous vous concentrez par exemple sur la courbe verte, donc c'est pour une certaine concentration en bactéries, vous avez un régime en loi de puissance à gauche et une décroissance exponentielle plus forte à droite. Donc un peu comme ce que nous on avait. Alors c'est encore une fois, j'insiste, c'est très différent. Là, nous, on décrivait un système qui est hors équilibre. L'équilibre, il faisait quand toutes les particules étaient associées et ça ne nous intéresse pas. Ici, vous avez un état d'équilibre, mais ça peut permettre de donner des outils un peu peut-être théorique pour analyser nos résultats. Mais ça nécessiterait un peu plus de travail. Donc j'en ai fini avec la première partie de ma présentation sur la statistique d'agrégation. Maintenant, je vais vous parler du deuxième point. Une fois que notre agrégat est formé et qu'il se déstabilise, la déstabilisation du radeau granulaire. Et donc pour ça, donc on voit très mal le film, mais vous voyez ici le filament qui s'affine et qui va venir se pincer en haut. Nous, c'est ce qu'on veut décrire. Et donc là, on est vraiment dans la littérature beaucoup plus globale de la formation de gouttes. Quand on forme une goutte, on a une goutte qui se détache d'un robinet, un filament qui se forme et qui va se pincer. Pourquoi on est différent? Parce que là, on va venir forcer avec des conditions limites, c'est-à-dire nos particules qui viennent tirer sur le filament. Donc là, on rajoute en gros une dimension dans l'espace des paramètres. Une goutte, normalement, d'un robinet, elle se détache uniquement sous l'effet de la gravité. Là, on vient forcer le détachement avec des particules. Le paramètre clé qu'on mesure dans ce genre de problème, c'est le rayon minimal. Donc ici, vous voyez votre filament. On peut noter ici l'existence d'un rayon minimal. Et on mesure ce rayon minimal en fonction du temps qui nous sépare du détachement. Donc là, c'est un graphe qui se lit de droite à gauche. Le temps diminue au fur et à mesure du détachement et le rayon minimal diminue. Et si on fait un zoom ici sur la dernière portion, on voit en fait qu'on a une succession de ce qui semble être des lois affines. Bon, dit comme ça, ce n'est pas spécialement intéressant. Pour rendre ça plus intéressant, en fait, il faut comparer avec les prédictions théoriques qui existent déjà. Et donc, ce que je vous disais, avec le détachement d'une goutte. Donc ici, vous avez une goutte d'huile qui est extraite depuis un capillaire qui est en bas de l'écran. La goutte d'huile s'élève, s'amincit. Et donc, on a ce filament, pareil, qui va diminuer. Si on fait un zoom sur la dernière portion, on voit très bien le filament qui diminue, qui va se pincer en haut et en bas et qui ensuite va former des gouttes satellites. Et comme on a fait pour notre radeau granulaire, on peut mesurer le rayon minimal de ce phénomène-là. Et l'avantage, c'est qu'ici, on va retrouver des régimes qui sont parfaitement connus, qui sont parfaitement décrits. Alors, un premier régime à temps long, donc encore une fois, ça se lit de droite à gauche, où le rayon minimal décroît exponentiellement avec le temps. Et ça, c'est un régime qu'on peut retrouver en faisant une analyse en stabilité linéaire, donc qui est typique de l'instabilité de plateau relais. C'est un régime auquel je ne vais pas du tout m'intéresser ici. Et ensuite, on a deux autres régimes qui ont des évolutions linéaires avec le temps. Alors, pourquoi est-ce que l'analyse en stabilité linéaire de l'instabilité de plateau relais ne nous mène pas jusqu'au détachement? Tout simplement parce que la vitesse du fluide parce que les déformations vont devenir très importantes, pardon. On a besoin de faire l'hypothèse de petites déformations pour se décrire ce régime-là. Et donc, on va avoir deux nouveaux régimes non linéaires qui vont survenir. Un premier régime en rouge ici, qui a été décrit en 95 par Papa Georgiou, où on a un équilibre entre tension de surface et viscosité. Et un dernier régime
où l'inertie rentre en compte tout simplement parce que la vitesse du fluide dans le filament d'huile augmente. Et donc, on a équilibre cette fois entre viscosité, tension de surface et inertie. Et on a ce dernier régime. Ce qu'on voit, c'est que sur une goutte d'huile au moins, ces régimes ils décrivent parfaitement chacune des étapes du détachement. Alors maintenant, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on peut retrouver la même chose pour notre radeau granulaire ? Donc, on peut tout simplement superposer les deux courbes. En bleu, la goutte, en noir, le radeau granulaire. Ce qu'on voit, c'est que pour notre radeau, on retrouve bien ce qui ressemble à une succession de pentes affines qui correspondrait à peu près soit au régime visqueux, soit au régime visco-inertiel. Par contre, on peut être étonné déjà par l'absence de régime exponentiel et ensuite par le nombre de ces régimes. Là, on voit qu'on a plutôt 4 décroissances affines qui se succèdent. Donc ça, c'est assez étonnant. Alors peut-être que ce sur quoi il faut que j'insiste aussi, c'est que ces deux derniers régimes, visqueux et visco-inertiel, ce sont des régimes autosimilaires qui ne dépendent pas des conditions initiales et des conditions limites. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la pente de ces régimes. Ils dépendent uniquement des propriétés du fluide. Donc on peut être étonné finalement, nous on a uniquement joué avec les conditions initiales et les conditions aux limites. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a perturbé des régimes qui ne devraient pas être perturbés, entre guillemets. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux ça. Et pour comprendre mieux ça, on va changer de représentation. Ici, je vous ai représenté le rayon minimal, mais en fait, on s'intéresse à des régimes qui décroissent de façon affine avec le temps. Et donc, on peut simplement s'intéresser à leur pente au lieu de regarder R-min. Et donc là, on va représenter cette fois R.min, c'est-à-dire la dérivée temporelle tout simplement du rayon minimal. Donc là encore, c'est un graphe qui se lit de droite à gauche. Si on regarde la courbe bleue dans un premier temps, on a bien la pente qui augmente exponentiellement jusqu'à un premier plateau qui correspond au régime visqueux et ensuite qui rediminue jusqu'au régime visco-inertiel. Et ça permet de beaucoup mieux visualiser ce qui se passe pour notre radeau, c'est-à-dire une oscillation en échelle log ici de la pente du rayon minimal. Alors déjà, là, on peut avoir ça peut faire résonner un peu des connaissances si on a étudié un peu la convergence vers des régimes autosimilaires. Une convergence en échelle log, une oscillation comme ça en échelle log, c'est assez typique de ce qui peut se passer quand on a des régimes autosimilaires et qu'on converge vers eux. Mais on aimerait décrire un peu plus précisément ça. Le problème, c'est qu'avec nos radeaux granulaires, on est un peu limité en quelque sorte, parce que si on vient changer les particules, on ne peut pas contrôler directement la vitesse verticale et la taille du radeau qui coule. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mimer l'expérience du radeau granulaire, mais en tirant sur l'interface. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. On a un cylindre comme ça qu'on met en contact avec l'interface, qu'on déplace vers le bas. Et là, on peut contrôler indépendamment sa vitesse verticale et sa taille. Et donc là, on va pouvoir faire jouer ces paramètres pour voir si on retrouve ou pas l'oscillation en échelle log. Donc d'abord, commençons par regarder un film. Vous avez le cylindre qui va vers le bas à 30 mm par seconde ici, le filament qui se forme et qui s'affine, donc assez classique. Si on zoome sur la fin, on retrouve bien notre amincissement avec un pincement sur les instants finaux. Et encore une fois, on peut venir mesurer le rayon minimal de ce phénomène. Alors, première courbe, si on prend un cylindre de 1 mm de rayon, donc qui est plutôt un petit cylindre, ici, les trois couleurs correspondent à trois vitesses verticales différentes. Ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la vitesse qu'on utilise, on trouve le résultat vraiment typique sans oscillation avec une augmentation exponentielle, un premier plateau pour décrire le régime visqueux et un dernier plateau au régime visco-inertiel. Donc là, pour l'instant, on n'a rien avec cette taille de cylindre. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est si on commence à augmenter la taille du cylindre, toujours pour nos trois mêmes vitesses. Ce qu'on voit, c'est que pour la vitesse verticale la plus haute, qui est la courbe en rouge foncé ici, on déclenche une oscillation. Et donc là, vraiment, ce qu'on a changé, c'est uniquement la taille du cylindre. Si on continue à augmenter le rayon du cylindre de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que quelle que soit ensuite la vitesse verticale qu'on va imposer, on va avoir présence d'une oscillation en échelle log de la pente du rayon minimal. Alors, je vais me poser un peu là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que simplement en jouant sur les conditions limites, on arrive non pas à changer la pente des régimes, cette pente de toute façon, elle était uniquement décrite par les propriétés du fluide, mais par contre, nos conditions initiales, en quelque sorte, elles viennent se réinsérer dans la dynamique pour la convergence vers nos régimes autosimilaires. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la compréhension de ce phénomène ? Je vous parle de rayon minimal depuis tout à l'heure, mais en fait, un régime autosimilaire, c'est décrit par bien plus que simplement le rayon minimal. C'est l'intégralité de la géométrie du filament qui est autosimilaire. Et donc, normalement, on peut s'intéresser aussi à la géométrie de ce filament. Donc, si je vous prends un exemple simple, si on se place dans un régime donné, donc par exemple, ici à droite, le régime visqueux, on a des prédictions sur l'abscisse et l'ordonnée du filament. Et en fait, en sélectionnant du coup trois profils successifs dans notre dynamique à trois temps différents, on peut, en rescalant l'abscisse et l'ordonnée, donc là, je ne vous décris pas le rescaling, mais c'est connu depuis 25 ans, il faut regarder dans les papiers d'Eggers et de Papa Georgiou, on arrive à
superposées, c'est ce que vous voyez ici à droite, les trois profils successifs. On retrouve aussi la forme symétrique qui est complètement caractéristique de ce régime visqueux. Donc là, ce qu'on peut dire de manière sans aucune équivoque, c'est que dans ce régime visqueux, on a bien une forme autosimilaire décrite par Papa Georgiou. De même, si on se concentre sur le dernier régime, on superpose, donc là avec un rescaling différent évidemment, on superpose très bien nos trois profils. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser à ces profils, mais pour une situation où on a oscillation du rayon minimal. Alors, quand on a oscillation du rayon minimal, si on regarde le premier régime qui apparaît, donc je vous rappelle que ces courbes rouges, elles se lisent de droite à gauche, on s'attend à un régime visqueux. Si on sélectionne trois profils dans notre dynamique, ce qu'on voit, c'est que les trois profils sont symétriques et se superposent parfaitement. Donc là, on peut dire sans aucun doute qu'on a bien un régime autosimilaire visqueux décrit par Papa Georgiou pour entamer la dynamique d'amincissement. De même, si on s'intéresse au régime final, on sélectionne trois profils. Ce qu'on voit, c'est que là encore, les profils se superposent. Alors, vous allez sans doute me dire que les données sont beaucoup plus bruitées, mais c'est normal parce que là, notre rayon minimal et nos rayons, ils s'approchent en fait de la taille du pixel. Mais c'est de manière quand même assez satisfaisante par rapport à ce qui est fait dans la littérature. On superpose nos profils. Donc là aussi, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'on commence bien notre dynamique d'amincissement par un régime autosimilaire visqueux et on la termine par un régime autosimilaire visco-inertiel. Maintenant, si on s'intéresse aux deux régimes intermédiaires, là, la situation, et c'est là que ça devient intéressant, la situation est complètement différente. Bon, peut-être le cas le plus simple, c'est le graphe de gauche ici. On s'attendrait à avoir un régime visqueux décrit par Papa Georgiou symétrique. Donc là, on n'a même pas la symétrie des profils, donc de manière assez claire, on retrouve pas l'autosimilarité attendue. Et en plus, nos trois profils ne se superposent pas du tout. Donc là, c'est assez clair qu'on n'a pas d'autosimilarité. À droite, alors c'est peut-être un peu moins clair, mais la superposition est quand même pas du tout satisfaisante des trois profils qu'on a sélectionnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je vous résume un peu, tout ce qu'on a dit là? C'est que lorsqu'on vient tirer sur un filament avec un cylindre suffisamment gros ou avec une vitesse verticale suffisamment élevée, on passe bien d'un régime visqueux à un régime visco-inertiel, mais les conditions initiales et les conditions aux limites viennent déclencher une oscillation de la pente du rayon minimal dans la convergence entre ces deux régimes-là. Alors, l'autre point qui est très important et qui est très surprenant, c'est que sur ces régimes intermédiaires, on n'a effectivement pas une géométrie autosimilaire. Par contre, on a les pentes attendues par les prédictions de Eggers et de Papa Georgiou. Donc là, c'est presque un message de prudence que je donne pour tous les gens qui font de la formation de gouttes. C'est qu'en fait, il n'est pas suffisant de mesurer le rayon minimal pour déduire à l'autosimilarité, contrairement à ce qui a été fait depuis 20 ans dans beaucoup de papiers. Il faut vraiment s'intéresser à l'intégralité de la géométrie. L'autre point intéressant, c'est que ce résultat expérimental, c'est a priori, à ma connaissance, la première visualisation expérimentale d'une oscillation en échelle log pour converger d'un régime autosimilaire à un autre. Ça a été vu pour la première fois de manière numérique en 2017 ou en 2016, je ne sais plus. Et là, c'est la première preuve expérimentale d'une telle oscillation. Et donc, c'est vraiment une oscillation qui est due aux conditions limites qui viennent se réinsérer. Et en fait, on s'inscrit donc dans là, on l'a fait pour un radeau granulaire, mais on est vraiment dans la littérature beaucoup plus globale de la formation de gouttes et même, de manière encore plus globale, de la convergence des singularités en temps fini et d'un système à deux états d'équilibre comme ça, autosimilaires, et de la convergence d'un état d'équilibre vers un autre. Alors, j'en ai à peu près fini avec ma présentation sur les deux grandes parties dont je voulais discuter. Je ne vais pas non plus vous laisser comme ça, parce que la science, c'est certes de donner des réponses, mais c'est avant tout de poser des questions. Et donc là, j'ai essayé de donner pas mal de réponses, mais je vais quand même finir ma présentation par deux questions, deux problèmes qu'on a commencé à étudier, mais qu'on n'a pas du tout résolu. Un problème que j'ai complètement passé sous silence, c'est qu'ici, je vous ai présenté une déstabilisation de radeau granulaire où les particules n'étaient pas le long du filament. Vraiment, elles encapsulaient la goutte d'huile qui se détachait, mais on n'avait aucune particule le long du filament. Or, si on utilise des particules plus petites ou moins denses, on peut avoir une situation très différente. Donc là, ça ne se voit pas trop, mais en haut, vous avez la couche d'huile. Tout autour, c'est de l'eau et on a notre radeau granulaire qui se déstabilise, qui coule comme ça. On a la formation d'un filament, mais qui, cette fois, est recouvert de particules. Et là, en fait, bon, déjà, visuellement, ça n'a rien à voir. Et on se doute bien qu'en fait, selon la position des particules avec le rayon minimal et le long du filament, on va avoir des dynamiques qui sont complètement différentes. Et pour vraiment se convaincre de la richesse que peut renfermer cette expérience, je vais vous montrer deux manips, qui sont en fait deux manips avec les mêmes grains, la même huile, donc vraiment deux manips identiques que j'ai fait successivement.
qui vont être jouées à la même vitesse. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que comme les particules ne sont pas distribuées de la même manière le long du filament, on a une dynamique qui est totalement différente. Là, ça commence visuellement à être différent. Le pincement est très différent, tout simplement parce que là, on avait une particule proche de l'interface. Ce qu'on voit, c'est que même la vitesse de rétractation du filament après pinch-off est différente. Elle va beaucoup plus vite à droite. Et si on prend vraiment une photo des instants finaux, on voit que la géométrie du filament n'a rien à voir. On a à droite une forme qui est plutôt conique, alors qu'à gauche, on a, ça se voit très peu, mais un filament secondaire qui a été formé. Donc, alors qu'on a utilisé vraiment les mêmes paramètres. Donc là, il y a beaucoup de choses à comprendre encore sur l'interaction entre les particules et l'amincissement. On peut un peu se poser le même genre de questions pour l'agrégation des particules, donc qui était la première partie de ma présentation. Et donc, je vais vous présenter là un problème un peu rigolo. On a fait de l'agrégation pour une répartition aléatoire de particules, mais on peut essayer aussi très bien regarder ce qui se passe lorsque les particules sont disposées sous forme de maillage ou à des positions qui sont bien définies. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici avec des particules qui forment les côtés d'un triangle. Là, c'est ce que vous voyez. C'est les mêmes particules que ce que j'ai fait pour la démonstration. Et donc, si on les laisse s'associer, on voit que, bah, comme on peut s'y attendre, elles s'attirent les unes les autres, elles forment un radeau à la fin. Et si on regarde la trace de leur trajectoire, on a cette photo assez étonnante et on peut s'interroger sur par exemple, la prédictibilité de ces trajectoires ou alors leur sensibilité aux conditions initiales. Parce que forcément, le triangle n'est pas parfait, s'il y a du bruit sur les positions initiales de chacune de ces particules. Et donc, on peut essayer de s'intéresser un peu comme ça à la dynamique d'agrégation de particules, mais qui sont réparties non pas de façon aléatoire, mais de façon déterministe. Et sur cette dernière photo, j'achève ma présentation et je suis disponible pour discuter avec vous et répondre à vos questions.